Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Point de vue. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un manuel de gymnastique éclectique pour tous les âges, écrit par Henri de Jarry de Bouffémont. Alors ce livre, qui traite de boxe, de canne et de lutte, hein, mais c'est vraiment, on va dire, par rapport à la taille du livre qui fait pas loin de 600 pages, hein, c'est quand même assez anecdotique. Mais vous me direz, mais pourquoi est-ce qu'on parle de, on va parler de ce livre ? Eh bien tout simplement parce que ça rentre dans mon idée générale de ce que j'ai compris des arts martiaux français du 19e siècle, c'est la culture de la polytechnique et de l'entretien physique par la multiplication des activités physiques. Henri de Bouffémont nous propose un manuel vraiment très complet, hein. Déjà que ce soit pour la gymnastique pure et dure, puisqu'il l'a il la séquence en trois parts, pédagogique, supérieure et de chambre. Et en plus de ça, il nous gratifie de la lutte française, l'art du patinage, la canne, la boxe française, le jet de pierre, la natation et le javelot. C'est quelque chose de vraiment éclectique et j'aime bien le principe. Alors il y aura beaucoup de livres qui sortiront, enfin beaucoup, il y aura quand même un certain nombre de volumes qui sortiront sur ce genre d'approche. Celui-ci sorti en 1871, mais il était déjà dans les cartons avant la guerre de 1870, hein, donc en 1868-69. Alors, que nous dit cette personne ? Eh bien, c'est on va avoir un petit peu une approche de la pensée, on va dire une forme de pensée commune à l'époque, sur le fait de d'éduquer la jeunesse et d'entretenir sa qualité physique. Parce que, alors, une des conséquences qu'il y aura de la défaite de 1870, il faut remettre un peu dans le contexte, c'était de dire que les forces françaises, les soldats français n'étaient pas assez entraînés, n'étaient pas assez bons physiquement, et qu'ils se sont donc fait écraser par les Allemands. Chose qui est totalement fausse, en fait, lorsque l'on regarde maintenant, nous, avec nos yeux et avec le travail des historiens, on s'aperçoit que ce ne sont pas les soldats qui ont failli à leur devoir, mais c'est bien le commandement, les maréchaux et les généraux qui ont fait n'importe quoi et qui étaient complètement dépassés par l'art de la guerre entre Européens. Ils savaient faire la guerre face à des armées plus faibles, de pays beaucoup plus faibles, mais face à une armée telle que l'armée prussienne et les armées allemandes de ce temps-là, qui étaient très très bien entraînées, eh bien là, ils n'ont pas fait un pli. Ils n'ont pas réussi à tenir la ligne, et la faute n'en incombe vraiment pas aux soldats ou aux cavaliers qui étaient sur le terrain et qui ont donc fait le sacrifice ultime. Hein. La faute ne leur revient pas à eux, mais bien plutôt aux états-majors. Et pour casser une fausse nouvelle, hein, ce n'est pas Napoléon III qui dirigeait les armées, lui sachant lui-même qu'il n'était pas bon militaire, avait délégué son commandement à des gens qu'il pensait plus compétents. Malheureusement, ce n'était pas le cas, et la guerre de 1870 c'est très très mal fini pour la France. Donc après cette période-là, donc il y a une espèce de remise en cause de l'entraînement physique de la jeunesse, mais ils n'ont toujours pas compris que le problème ne venait pas de là, mais plutôt de l'état-major. Et ça c'est un autre sujet. Donc je vais vous lire un petit peu de ce que l'auteur explique dans le début de son manuel. On croit généralement en France, et la plupart des professeurs actuels semblent propager ce préjugé, que la pratique de la gymnastique demande un nombre considérable d'appareils et d'engins. Cette erreur provient de ce que la gymnastique fut importée en France à la même époque par le colonel Amoros et par Clias. L'un, Amoros, insistait faiblement sur les mouvements élémentaires, procédait avec trop de rapidité aux exercices de force et mettait en usage une foule de machines souvent inutiles et parfois nuisibles pour le jeune âge. Clias, au contraire, insistait bien, quelque peu sur les mouvements élémentaires, mais il abordait aussi trop vite et sans préparation les grands exercices. Depuis, ces deux méthodes ont été modifiées par M. Triat, l'aîné, le colonel Dargy, Paz et en dernier lieu par le capitaine Vergne, mais elles manquent toujours de bases scientifiques et sont par conséquent empiriques. Les nouvelles exigences du programme de l'instruction publique demandent aujourd'hui une méthode graduée, simple et ne donnant lieu qu'à peu de dépenses d'appareils. En vain, les professeurs de la vieille école diront-ils que l'enseignement complet de la gymnastique oblige à posséder de nombreux engins. Je répondrai que le secret d'un bon enseignement gymnastique est bien moins dans le nombre de ces engins
que dans l'art d'exécuter des exercices utiles et innombrables avec un nombre très restreint et surtout peu coûteux. Les auteurs des nouvelles méthodes gymnastiques auraient dû s'attacher avant tout à enrichir leur enseignement de nombreux mouvements et à combiner les appareils de telle manière à réduire aux proportions les plus modestes l'établissement des gymnases. Voilà une pensée assez saine, je dirais, puisque il enjoint, en gros, de ce que j'en comprends, à pouvoir faire de la gymnastique avec très peu de moyens et des résultats tout à fait honnêtes, voire peut-être même excellents. Donc, je ne peux que vous conseiller la lecture, je ne vais pas vous lire entièrement tout le propos, parce que ça prendrait des heures, mais je vous conseille la lecture de ce manuel, du moins dans l'esprit, comprendre on va dire la pensée que développe cet auteur. Ça ne pourra que vous aider à ouvrir les yeux, à sortir des ornières que l'on peut se fixer et ne pas rester que dans une seule pratique qui peut être par exemple la boxe ou que la canne ou que le sabre ou que l'épée ou voilà. Sortez de vos murs qui vous enferment dans votre pratique et allez découvrir ce qui se fait à côté dans un univers cohérent, on va dire, afin de pouvoir développer vos capacités dans l'art que vous aimez. Et par exemple, pratiquer l'escrime mais apprendre à boxer à côté, ce n'est pas du tout contradictoire, c'est peut-être même très bénéfique parce que ça va équilibrer musculairement vos forces en apprenant à boxer de façon ambidextre et en utilisant tous les muscles de votre corps. Ou faire de la canne, ou autre chose. Voilà. Ce genre de livre est vraiment, pour ma part, je trouve excellent. Maintenant, nous allons... alors oui, aussi, ce que je voudrais rajouter, c'est que... et c'est ce que je retrouve aussi chez beaucoup d'auteurs, et Charlemont le fera plus tard lui aussi, c'est qu'il se base sur la science et pas sur quelque autre chose un peu mystique. C'est ce que j'aime beaucoup avec les arts martiaux français, c'est que ça repose sur quand même du concret, si je puis dire, et pas sur des énergies ou des espèces de... j'ai peu d'estime, et c'est vrai. Alors ça peut paraître pour un manque de respect, je m'en excuse si, formule habituelle, j'ai pu choquer les sensibilités de tout un chacun. Mais pour ma part, j'estime que les arts martiaux restent quand même d'abord de la science, et c'est une science humaine, de la biomécanique, de l'utilisation des énergies cinétiques, et de utiliser donc tout ce qui correspond vraiment au domaine de la science, qui va de la création de la vitesse, les mouvements mécaniques, les mouvements circulaires, les mouvements de rectiligne. Voilà, c'est de la mécanique, c'est de la science, et les maîtres français du 19e siècle le savent parfaitement, et jamais vous ne trouverez, du moins à ma connaissance actuelle, jamais on ne trouve aucun propos visant à développer la puissance de l'homme par la méditation. Vous ne le trouvez pas, tout simplement parce que pour eux, dans leur esprit, et je suis quand même fortement d'accord avec cette vision, ça n'a pas lieu. Si vous voulez sauver votre âme, vous allez à l'église, mais si vous voulez sauver votre vie parce que vous avez un problème dans la rue ou parce que vous êtes dans une situation périlleuse, eh bien apprenez des arts martiaux français. Si vous voulez conserver votre cardio, une endurance physique et un bien-être physique, eh bien, pratiquez les arts martiaux français parce que c'est de la science et ça s'occupera parfaitement du problème. Je voudrais vous montrer un petit peu la fin du livre, des outils qui étaient utilisés à l'époque pour ceux qui aiment bien, qui aimeraient pouvoir développer ce genre de salle. Ben voilà ce que l'on peut trouver comme ustensile utilisé par nos ancêtres afin de développer leurs capacités physiques. Monter à la corde, corde à nœud, corde sans nœud, avec barres, des anneaux, des espèces de... Voilà, des exercices physiques, il faudrait que j'étudie bien pour savoir à quoi ça correspond, à chacun correspond. Mais en fait, vous avez tous les plans, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir créer chez vous le minimum requis pour pouvoir pratiquer ce qu'il y a dans ce manuel. Et je trouve ça vraiment excellent. Le coup de la corde à nœud, la corde tout court, les longueurs, le cheval d'arçon. Bon voilà, je peux une fois de plus que vous conseiller de télécharger ce manuel et de l'étudier afin de pouvoir trouver des exercices qui pourront faciliter l'enseignement que vous pouvez donner à vos élèves afin de développer leurs capacités physiques.
Maintenant, intéressons-nous un petit peu plus aux parties qui nous intéressent, c'est-à-dire la lutte, la canne et la boxe. Alors, pour la lutte, on va se rendre directement là où il faut. Alors, il ne veut pas cliquer, quoi. Nous y sommes, la lutte. La lutte française. Lutte française ou lutte libre? Alors, que nous dit ce monsieur à ce sujet? La lutte a été connue de toute antiquité. Chez les Grecs, elle était un des principaux exercices en usage dans les gymnases et dans les jeux publics. On distinguait alors trois sortes de luttes. La lutte debout, la lutte à terre, la lutte des poignets ou des mains. Dans la première, les deux adversaires étaient sur pied et s'efforçaient de se renverser l'un l'autre. Ils pouvaient recourir à la ruse, mais il leur était absolument interdit de se frapper. Il fallait qu'un des lutteurs ait été renversé trois fois pour perdre la partie. Dans la seconde lutte, le combat continuait après que l'un des adversaires, ou tous les deux, étaient tombés. Il ne se terminait que lorsque l'un d'eux, gagnant le dessus, forçait l'autre à s'avouer vaincu. Dans la troisième, enfin, les combattants n'employaient que les mains ou les poignets, et, se poussant sans le secours d'aucune autre partie du corps, cherchaient à se fatiguer jusqu'à ce qu'il y en ait un qui se rende. De nos jours, il n'existe plus que deux sortes de luttes, la lutte suisse, ou en caleçon, et la lutte française, ou libre. Ces deux luttes renferment en elles toute la théorie des luttes anciennes. Dans la lutte suisse, les deux combattants se munissent de caleçons en coutil de forte qualité qui montent jusqu'aux hanches et se terminent à la largeur d'une main au-dessus des genoux. Voilà, il nous explique un peu tout. Pour la lutte suisse, alors, moi, je vous avoue que c'est pas trop le sujet. Maintenant, passons à la lutte française. Son nom, lui, vient de ce qu'elle était de tout temps pratiquée dans notre pays, principalement dans le Midi et surtout en Basse-Bretagne, dans la Cornouaille, où elle est encore aujourd'hui en pleine vigueur. Citons en passant quelques expressions de langage breton qui désignent les trois attaques que les lutteurs emploient le plus souvent. Le tolscarge, qui consiste à enlever l'adversaire sur une seule jambe et à lui balayer l'autre jambe d'un coup de pied. Un coup de pied, ça pourrait être un coup de pied bas, par exemple. Voilà un rapport qui pourrait être très intéressant. Hein. Vous enlevez la... Alors en plus, c'est quelque chose qu'on trouve notamment dans le manuel de Charlemont. Dans la lutte parisienne, lorsque vous saisissez la jambe de votre adversaire, lui ne parle pas de faire... On peut faire des balayages, mais on peut aussi envoyer un coup de pied bas directement au tibia, et l'adversaire ne peut pas l'esquiver puisqu'il est déjà sur une jambe. Le cliquetroun, qui est le coup dans lequel le lutteur restant immobile, fait tourner autour de lui son adversaire et le jette à terre par la rapidité de ce mouvement rotatoire. Enfin, le peg-gourne, qui est le croc en jambe perfectionné. La lutte française porte la dénomination de libre pour bien la distinguer des autres luttes, car sans se saisir préalablement, les deux adversaires se trouvent en face l'un de l'autre dans une position libre, et dès le commencement se saisissent où et comme ils peuvent. Ce jeu plus libre dès le commencement du combat donne aussi à la lutte française une certaine supériorité à la lutte suisse. De tous les exercices gymnastiques, la lutte libre et la lutte suisse sont sans contredit ceux où la vigueur et l'agilité, le courage et la ruse, l'adresse et la persistance se font le plus valoir et dans lequel la confiance virile est ferme et formée d'une manière particulière. Oh bon, et que des bonnes valeurs et que des bonnes choses à pratiquer la lutte, décidément. Donc là, Henri de Bouffenon va donc nous expliquer les règles petit à petit. Alors ça, c'est une fois que j'aurai des tapis, que je pourrai travailler chez moi un petit peu la lutte, nous pourrons étudier ce chapitre. Donc à partir de là, vous allez pouvoir étudier les mouvements principaux. Donc je vous fais défiler un petit peu le livre, hein, mais bon voilà, faudra pas. On va pas étudier ça aujourd'hui, hein, clairement. Ah, il y a des postures assez spéciales, hein, attaque par soulèvement. On peut s'apercevoir quand même que ce n'est pas succinct. On finit donc sur cette observation générale, où avant de faire de la lutte, il faut s'échauffer un petit peu, ce qui est tout à fait logique, et afin d'avoir un combat à peu près, ou un assaut à peu près égal, faire en sorte que les tireurs soient aussi de force et de taille à peu près égale. Sachant qu'un plus petit peut facilement se mesurer de par son agilité à la force d'un plus grand, mais... Si le plus grand sait utiliser sa force, ça va être très compliqué pour le plus petit quand même. Mais enfin voilà, vous aurez pu voir un petit peu de quoi retourne le passage de lutte sur Henri de Bouffenon. Voyons la canne maintenant.
De notre époque, la canne est tellement dans nos habitudes que chacun devrait apprendre à s'en servir pour sa défense. Bam, voilà, ça déjà c'est fait. La base, c'est la défense. La théorie en est très simple et la leçon très courte. Un bon tireur de canne armé d'un bon engin peut facilement se débarrasser de deux ou trois adversaires armés comme lui de bâton. Ce moyen de défense vaut donc mille fois mieux pour l'homme qui est appelé à voyager pour son métier ou ses fonctions que toutes les cannes à épée du monde, armes tout à fait inutiles dans les mains de celui qui ne connaît pas à fond l'escrime du fleuret. Et c'est exact. Au point de vue gymnastique et hygiénique, l'exercice de la canne marche assurément à l'égal de l'escrime de l'épée, et au point de vue de l'utilité, il lui est supérieur, et je suis tout à fait d'accord avec l'auteur. La canne comprend 6 bottes, chacune de ces bottes est double. La première est le coup de pointe ou le coup droit, il se fait en quarte ou en tierce, la position de la main à la garde est en tierce, la deuxième position s'emploie rarement. Et ainsi de suite, donc Henri de Bouffémont va donc nous expliquer les principes de la canne. Et il en a énuméré quand même, vous avez vu l'intérêt, notamment physique et hygiénique. Et vous aurez donc Et alors ça par contre c'est quelque chose qu'on verra dans le point pratique. Dans les prochains épisodes du point pratique, nous allons étudier effectivement Bouffémont. Je vous laisse en survol très rapidement, hein, puisque de toute façon nous allons y revenir en détail chapitre par chapitre. Avec il y a des choses à voir. Hein. Il y a vraiment. On aura du travail. Vous pouvez m'en croire. Donc je laisse défiler. Et nous arrivons à la boxe 37. Que nous dit-il à propos de la boxe ? La boxe, proprement dite, était connue des anciens sous le nom de pugilat. Cette lutte à coups de poing est le plus ancien des jeux athlétiques. C'est Thésée qui, le premier, aurait établi les règles propres à ce genre de combat. Les adversaires armés et alors leurs mains d'une espèce de gantelet formé de lanières de cuir qu'on appelait des cestes. Les lutteurs se servaient généralement du bras droit pour frapper et du bras gauche pour garantir la tête. Alors, c'est assez amusant de remarquer, par rapport à ce qu'on a vu dans le traité de Julien-Félix Delaunay, effectivement, dans la posture de garde, et même dans la gestuelle, le bras avant, et qui est souvent le bras gauche, il sert à dévier, parer les coups, et on vient frapper avec vive force avec le bras droit, hormis sur le coup de poing de revers, où on peut le frapper du bras avant. Un autre genre de boxe était aussi en honneur dans les jeux des Grecs, elle s'appelait Pancrace et consistait dans la réunion de la lutte et du pugilat, le MMA antique. Philostrate dit que le Pancrace était le plus beau de tous les exercices auxquels se livraient les athlètes. De nos jours, nous avons conservé les jeux des anciens, mais en les pratiquant séparément. Et c'est exactement ce que je reproche, au final, à ce qu'on fait même aujourd'hui, hormis pour le MMA, où très souvent on cloisonne les pratiques plutôt que d'essayer de les faire travailler ensemble. Si, par exemple, en ce moment, la boxe est très en vogue chez les Anglais, mais ils sont loin d'y briller par l'élégance et la noblesse que les Grecs apportaient dans cette sorte de combat. L'introduction de la boxe en Angleterre date des temps les plus reculés. Mais où cet art a eu certainement le plus d'éclat, c'est au XVIIIe siècle. Vers 1791, il y avait un théâtre de boxeurs au lycée, dans le Strand, et un autre près de Haymarket. Une fois de plus, Henri de Bouffémont va donc nous expliquer un petit peu tout ça, et jusqu'à arriver aux exercices de boxe française en eux-mêmes, du principe de la garde et des exercices. Alors j'ai déjà commencé à filmer un petit peu la leçon numéro 1 et numéro 2, et nous travaillerons tout ça tranquillement dans les futurs points pratiques. Alors ça peut être intéressant parce que ce livre est sorti avant le livre de Joseph Charlemont, mais Charlemont connaissait déjà la boxe, et il y aura sûrement des changements, comme à l'accoutumée, entre les différentes méthodes. Bon, après on passe au jet de la pierre, voilà, c'est beaucoup moins intéressant pour nous aujourd'hui. Là où je voulais en venir, c'est que sur l'intérêt de ce genre de livre, c'est qu'on en a, comme je vous ai expliqué au début, c'est qu'il faut être polytechnicien pour pouvoir être capable de s'adapter, être capable physiquement de réagir suivant les situations données. Pour ma part, j'aimerais beaucoup pouvoir combiner mes travaux avec un moniteur de gymnastique. Bon, ça risque d'être assez compliqué, mais l'objectif, ce serait ça, c'est de développer les capacités de l'élève. Ne pas en faire un compétiteur, ne pas chercher à le broyer dans la machine de l'efficacité et du rendement sportif, mais développer simplement ses capacités morales, mentales et physiques.
Et je pense que c'est un peu le c'est dommage qu'il n'y ait pas trop cette volonté au niveau actuel que je peux trouver dans certains sports. Souvent, on est convié à se spécialiser et à travailler dans un couloir et ne surtout pas regarder ce qui se passe à côté. Et je trouve ça un peu dommage. Même j'ai remarqué quand même il y a un mouvement ou de fond hein, qui peut peut-être un peu prendre vie et pour nous au contraire sortir de ces ornières et essayer d'ouvrir un peu plus son esprit aux pratiques qui sont à côté de nous et qui peuvent apporter beaucoup pour progresser dans sa pratique principale. Voilà, c'était un point de vue pour vous présenter le manuel de gymnastique de Jarry de Bouffémont. Voilà, nous allons être amenés à travailler dessus, et sur ce, maintenant, vous savez de quoi on parlera. Plutôt que de faire cette description dans un point pratique, c'est pas trop le sujet, là au moins vous saurez de quoi on va parler. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'en profite pour vous dire que je suis en train de mettre en place et de créer un compte PayPal spécifique pour la chaîne, pour ceux qui auraient envie de me soutenir financièrement, et en plus de déjà des nombreux soutiens en termes de commentaires, et qui vraiment me font vraiment plaisir. Hein. Je cours pas après l'argent, mais souvent, il y a des gens qui ont envie de faire un petit plus. Bon, ben ça me permettra d'acheter un peu plus de matériel et d'équiper mon garage. Voilà, sur ce, entraînez-vous bien, amusez-vous bien, et à la prochaine.